Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Total War Rome 2 pour le début de cette nouvelle campagne commentée qui s'annonce. Nous avons récemment terminé Nec Pluribus Impar sur Empire Total War avec la France et nous allons maintenant débuter Roma Victrix qui, comme son nom l'indique, va nous faire jouer avec Rome. Une campagne qui s'annonce pour le moins intéressante et fortement axée probablement sur l'aspect militaire et conquête. Alors avant toute chose, à préciser, Rome 2, comme tout le monde le sait, a quelques problèmes d'optimisation et autre chose. Donc cette campagne, je vais vous le dire honnêtement, on va voir comment ça va se passer. Il va y avoir des patchs, différentes choses. Ça peut être une campagne test, tout comme ça peut être une vraie campagne qui ira jusqu'au bout. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, on va envisager ça ensemble au fur et à mesure du déroulement du jeu. J'ai déjà fait une campagne avec les Iceni, où j'avais fait 70 tours, quelque chose comme ça, pour un peu prendre, toucher un petit peu la campagne, voir comment ça se déroule et comprendre un petit peu le système. J'ai pas encore tout compris, mais enfin, dans l'ensemble, ça va. On va donc se lancer. Je précise que ce sera pour le moment en graphisme très haut. Je ne peux pas mettre plus que très haut sans que cela risque de provoquer des gros ralentissements dans le jeu, pour les raisons que vous connaissez. Néanmoins, je devrais commander incessamment sous peu un nouveau kit d'évolution pour mon PC avec processeur, carte mère, mémoire, RAM, qui devrait améliorer tout ça, en plus des patchs d'optimisation qui devraient sortir un par semaine. Donc ça devrait s'améliorer et on devrait pouvoir jouer en extrême d'ici la fin du mois. Entre temps, je demande votre clémence à ce propos. Tous ceux qui ont le jeu savent de quoi je parle. Nous sommes partis, nouvelle campagne. Il y a donc plusieurs factions, nous allons choisir Rome. En Italie, ça va de soi, on est... année de départ, moins 272, donc c'est juste après la victoire contre ce cher roi Pyrrhus, qui vient donc d'Épirus, ne pas confondre Pyrrhus et Épirus, ça se ressemble, mais même si c'est lié, c'est pas pareil, qui a perdu après son invasion contre les Romains qui ont pu surtout s'emparer du sud de l'Italie. Il ne leur manque plus que le nord et la Sicile, que nous nous empresserons de prendre. Nous avons trois factions jouables. Alors on va probablement prendre les Iulia, donc la famille de Jules César, mais on va quand même prendre le temps de tout lire. Je n'ai pas encore joué avec les Romains, donc je vais découvrir en même temps que vous. Administrateur, 3% d'imposition, c'est bien. Dédain pour la peuple, pénalité d'ordre public, moins 4. Alors ça, c'est même pas la peine d'y penser. Hors de question. Et on s'entend très bien avec les Grecs. J'ai pas envie de m'entendre bien avec les Grecs. Je vais leur sauter dessus. Donc on va quand même lire la description. La gens Cornelia figure parmi les clans les plus illustres des familles romaines. Elle compte plus de consuls, de généraux et d'hommes d'état que les autres familles. Parmi eux, les Scipions et les Silas sont considérés comme particulièrement notables. Sylla, le célèbre dictateur, était un membre de cette famille. D'accord. Originaire d'Albe, famille Iulia, je croyais que c'était une ville. Originaire donc d'Albe la Longue, les Iulii sont une ancienne famille patricienne qui avait la coutume d'atteindre de hautes fonctions depuis des siècles. Donc vraiment une famille très importante dans l'histoire romaine de la République et peut-être de la monarchie auparavant, je ne sais pas. Ce célèbre clan, puisqu'il y avait une monarchie avant la République romaine, je crois que la monarchie c'était de moins 700 à moins 500, la République de moins 500, donc vers moins 40, 30 je crois, et ensuite ce sera l'Empire jusque vers l'an, vers jusqu'au 5e siècle approximativement. La fin de l'Empire romain donc, Occident du moins. Après on peut compter toujours l'Empire byzantin. Ce célèbre clan était celui de Jules César qui devint un dictateur durant toute sa vie. Il n'a pas été un dictateur durant toute sa vie. Je pense pas qu'il est né dictateur en tout cas. Non. Il est devenu dictateur plus tardivement, je crois, vers la cinquantaine, par là. Approximativement. Je vous préviens tout de suite qu'on se aclare là-dessus.
Ma spécialité, j'aime beaucoup l'histoire, de manière générale, toutes les périodes, plus ou moins, hein, c'est comme ça qu'on aime l'histoire. Ma spécialité, c'est le 18e et 19e siècle. Ça, c'est vraiment, quand on est fan d'histoire, on a toujours une période à laquelle on adhère plus, sur laquelle on est le plus renseigné. Je ne suis pas passionné particulièrement par la République romaine. Je suis assez intéressé par la période un petit peu empire 1er, 2e siècle, que je trouve relativement intéressante. Mais la République, c'est pas du tout ma spécialité. Je vais heureusement avoir accès à la bibliothèque universitaire, en reprenant mes études, avec laquelle je compte bien me renseigner sur cette période, en savoir plus pour vous proposer un contenu riche là-dessus. Cependant, donc, je vous précise que je n'y connais pas particulièrement plus de choses que quelque chose d'assez général. Donc, je peux dire des choses erronées ou pas exactement précises. Et je veux bien que vous ayez conscience de cela. Donc, ne me sautez pas dessus. Si jamais vous êtes des spécialistes, je ne le suis pas et je ne prétends pas l'être. Ce n'est pas du tout ma période de prédilection. Donc, il n'a pas été dictateur toute sa vie. Hein. Il a été dictateur depuis le moment où il a été élu dictateur. Ou il s'est élu dictateur, je ne sais pas, jusqu'à sa mort poignardée de multiples reprises par Brutus et toute sa clique. Donc oppresseur culturel, plus 25% de pénalité d'ordre public. Ouh. Pour la culture étrangère, ok. Sachant que les latins ne sont présents que dans les régions romaines, hein, normalement. Donc toute région que l'on va envahir sera techniquement, peut-être pas la Ligue étrusque. Mais ensuite, les Gaulois, les Carthaginois, ainsi de suite, ce seront soit des Grecs, donc des cultures hellénique ou helléniste, je sais pas comment ils disent ça, comment ils disent, affinité culturelle, faction hellénique, culture helléniste, hellénistique, enfin, bref, quelque chose comme ça. C'est un mot qui est dérivé de toutes les manières possibles et imaginables. Et les cultures celtes, avec les Gaulois par exemple, et les cultures carthaginois, je pense que ça tombe dans le côté hellénique, à mon avis. Je crois bien. De mes souvenirs de ce que j'ai vu de ma campagne carthaginoise. Romanisation. Peut-être punique aussi, je ne sais pas. On verra. Romanisation. Plus 4 de conversion culturelle. Donc on a quand même un malus culturel, mais en même temps, hop, c'est compensé directement par le fait qu'on gagne beaucoup, assez rapidement la conversion culturelle. Donc ça, c'est sympa. Répression barbare. Plus 10% en morale en combattant des tribus barbares. Donc ça, ça sera intéressant pour se déployer en Gaule. Ainsi qu'en Espagne. Les Iuni, l'une des familles les plus respectables de Rome, jouissaient peut-être de la bénédiction de Junon, à qui le mois de juin doit son nom. Étant natif du mois de juin, j'apprécie. Cette réputation repose sur le travail de Lucius Junius Brutus, qui détrôna le dernier roi romain, la monarchie donc, Tarquin le Superbe. Qui devait s'appeler Tarquinus ou quelque chose comme ça. Père fondateur, bonus d'ordre public, 4 maximum, conféré par la présence de la culture latine. Outsiders politique, pénalité diplomatique modérée avec toutes les factions, aversion culturelle. Sagesse agraire, plus 10% de richesse provenant des bâtiments agricoles. C'est pas mal du tout cette famille, pas mal, franchement, les bonus sont très intéressants. Ouais, vraiment. Et ça oblige à jouer le côté politique peut-être un peu plus que je n'ai pas vraiment compris. Je vous le cache pas. Mais on va quand même prendre les Iuli parce que je sais que si on ne prend pas, enfin les Iulia, si je ne les prends pas, l'agence Iulia, vous allez me faire un scandale absolu. Donc défi initial facile et on mettra le jeu en difficulté difficile. Vous l'avez demandé, on pourrait même mettre très difficile ou légendaire. Légendaire, on n'avancerait pas. Et très difficile, je ne sais pas ce que ça donne. Paramètres de campagne, voir les déplacements de l'IA, pour l'instant je vais les activer parce que ça rallonge pas mal les tours qui sont déjà très lents. Mode réalisme de bataille, non, parce que vous n'allez pas comprendre grand chose. Ok. Et conditions de victoire, alors là c'est compliqué. Une campagne commentée avec les conditions de victoire s'avérerait être d'une longueur vraiment très très longue. Hein. Militaire 140 colonies, donc c'est quasiment le monde entier à combattre, enfin à envahir, soit également par le biais d'états clients, je ne sais pas encore comment ça marche, les états clients, soit des alliés militaires. Bon, le problème c'est que si on déclare la guerre à beaucoup de monde, après on n'aura pas beaucoup d'alliés forcément. Donc c'est assez compliqué de tout gérer, on verra. Moi je vais quand même essayer de répandre le rouge sur la map, c'est mon intérêt, donc on verra comment ça va se passer.
contrôler totalement les 6 provinces suivantes, soit par le biais de ta client et d'état militaire, enfin d'allié militaire. Donc ça, à mon avis, c'est l'objectif qu'on va plutôt se fixer, comme vrai objectif, c'est d'avoir ces 6 régions, provinces donc, Italia, Magna Graecia, Aquitania, bien sûr, Arménia, donc c'est de l'Arménie, Africa, Britannia, donc c'est un petit peu éloigné par-ci par-là, mais ça peut être intéressant comme conquête. 140 unités au total, ce sera pas difficile, et 40 unités navales, ça ne devrait pas non plus être difficile. Il y a également la victoire économique, 90 colonies, les 6 provinces un peu différentes, plus Afrique-Asie, tout ça. Relations, machin, tout ça, on la fera pas. C'est sûr. Et conditions de victoire culturelle, répandre la culture dans ces régions-là, ça peut être intéressant, par exemple. Construire le Panthéon, le Colisée, rechercher les technologies, ça c'est vraiment pas mal, hein, je pense, comme condition de victoire, mais on va faire la militaire. Donc on est parti, commencer. La campagne Roma Victrice. C'est parti. Une décision rapide est une décision dangereuse. J'aurais aimé éventuellement qu'il y ait les citations dans leur langue d'origine, donc grec ou latin, principalement, plus la traduction. Ça aurait été sympa, par exemple, Carpe diem, il y a marqué profiter du jour présent ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu, mais qu'en anglais, j'ai pas vu en français qu'est-ce qu'ils ont traduit, mais profiter du jour présent. Ils ont mis juste ça, alors que s'ils avaient mis Carpe Diem, tout le monde aurait compris. Si vous avez vu au moins une fois dans votre vie le cercle des poètes disparus, ce que je vous recommande très chaleureusement, chaudement aussi, c'est vraiment un très bon film. Vous savez Carpe Diem, ce que ça veut dire, et puis même, enfin, Carpe Diem, tout le monde sait ce que ça veut dire. Même si ce n'est pas une citation d'époque, puisque normalement ça vient de Shakespeare. Si je ne fais pas erreur. Je ne connais rien à Shakespeare, donc je ne connais rien à la littérature anglaise et tout ça, donc je ne vais pas m'aventurer sur quelle œuvre c'était, mais probablement quelque chose en rapport avec les Romains. Il a fait du Marc-Antoine, du Cléopâtre et tout le Tintouin. Sur l'époque de la guerre civile romaine. Donc c'est probablement en rapport avec ça, mais je ne mettrai pas ma main à couper. La bravoure et le mépris de la mort et de la douleur. Tacite, historien romain, 56-117, ce qui est en dehors de la période du jeu qui va de moins 272 à plus 47. Beaucoup de gens se sont plaints du fait qu'il n'y ait qu'un tour par an, ce qui effectivement enlève un petit peu l'attrait automne, hiver, été, printemps que l'on avait sur les précédents Total War, sortis récemment. Vous êtes en guerre contre la Ligue étrusque. Marchez vers le nord et capturez leur territoire. Cela vous permettra de consolider l'Italie et d'assurer la sécurité de Rome. Vous devez faire la guerre si vous souhaitez étendre votre domination. Syracuse et Carthage possèdent des territoires en Magna Graecia. Ainsi, vous devrez les affronter si vous souhaitez vous étendre en Méditerranée. Sinon, ils pourraient être des alliés utiles contre l'Étrurie ou les tribus gauloises au nord. Quoi qu'il arrive, Rome triomphera. Ok. Oui, donc je disais, ça représente tout de même l'équivalent de 300 tours de jeu. Je ne pense pas que grand monde joue 300 tours de jeu. Donc ça fait quand même quelque chose de colossal. Au final, ça fait la même chose plus ou moins que le premier Rome Total War. Donc c'est vrai que la disparition des saisons est un peu dommage. Mais c'est pas non plus une catastrophe absolue en soi. Bon, ce que je voulais dire, donc, c'est que d'après les objectifs de campagne, de ce que nous a laissé penser le personnage qui nous a parlé, nous devons en gros réunifier l'Italie, hein, c'est-à-dire prendre le nord, le sud, avec la Sicile. Bon, on va probablement déjà s'étendre vers la Ligue étrusque, puisque c'est la même culture que nous, ce soit des Latins, normalement. Et ensuite, on verra comment ça va se passer avec la Sicile. On prendra Syracuse, très probablement, et les Carthaginois. On va voir comment ça va se passer. C'est tout à fait une guerre qui est à faire, puisque nous allons là à l'aube hein, de la première guerre punique qui a eu lieu, je crois, de moins 260 à moins 240 dans ces eaux-là. C'est pas la plus intéressante. La plus intéressante étant la deuxième guerre punique avec Hannibal. La troisième étant vraiment la fin de la fin avec le siège de Carthage que l'on a dans le jeu, qu'il faudra que j'y réussisse un jour parce que j'ai vraiment du mal. Je pense avoir trouvé la technique, mais à la fin du siège de Carthage, vous avez des éléphants qui popent de n'importe où, une armée de grosses unités d'élite. Quand vos unités sont pas mal affaiblies, et en mode très difficile, c'est très difficile. C'est très très difficile, d'autant plus qu'ils ont plus d'engins de siège à l'intérieur de la forteresse que vous en avez pour les assiéger.
ce qui est particulièrement intéressant. Consentez à mes entreprises audacieuses. Audacibus annue queptis. Je n'ai jamais fait latin de ma vie. Je ne connais rien en latin à part le bon sens qui me permettrait de comprendre cet un mot. Donc voilà, si vous faites latin, ne vous étonnez pas que je prononce mal. Je prononce mal. De grandes choses naissent des débuts les plus humbles. Faites le premier pas et établissez une implantation à partir de laquelle votre peuple deviendra grand. Contrôlez totalement deux provinces, soit directement, soit par le biais d'états clients et d'alliés militaires. De nouveaux objectifs bonus ont été ajoutés à votre liste d'objectifs, plus de 2500 de trésorerie, si on remporte ceci. C'est très intéressant cette histoire d'états clients et d'états alliés, puisqu'apparemment le jeu, pour nous faire gagner, nous pousse également à utiliser la diplomatie pour étendre notre influence, pas uniquement par la conquête, et ça c'est vraiment pas mal, d'autant plus que l'IA vient vraiment volontairement vers vous pour les relations diplomatiques, bien que ce soit souvent pour vous demander « donnez-moi 15 000 d'argent et puis moi je vous donnerai des accords de commerce », donc bon, c'est pas non plus des accords très très intéressants, mais enfin on devient assez rapidement riche en jeu, donc c'est pas non plus un problème de donner de l'argent. Alors, on va étudier tout ça. Donc on est en guerre contre la Ligue Étrusque, armée ennemie dirigée par Aurelius Trajan. Trajan. Ou Trajan, peut-être. J'imagine que le J se prononce comme cela. Donc la région Italia, la province Italia, plutôt. J'ai mis un mode qui permet de dézoomer encore plus sa carte de campagne, c'est vraiment génial. Là, c'est vraiment, pour moi, l'une des choses qu'il me fallait le plus rapidement possible. Je vais pas forcément dézoomer à fond pour le moment, on est en Italie, on n'a pas besoin de faire ça. D'autant plus qu'avec les mises à jour, peut-être le mode sera pas compatible, et alors donc on va pas trop s'y habituer. Mais c'est vraiment cool. Donc on va pas traîner plus que ça. On a donc un système de province. Alors beaucoup de gens ont dit que le jeu était plus casualisé, au contraire, pour moi je trouve qu'il est au contraire plus complexe, puisqu'il y a par exemple ce système de province qui est une évolution directe. Déjà des villages et villes que l'on avait dans Shogun 2 où il fallait se spécialiser dans la construction des bâtiments en fonction de la région. Et là c'est plus ou moins pareil mais plus évolué et pour moi, à mon sens, c'est beaucoup plus complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué, ça veut dire qu'il y a plus de systèmes, il y a plus de choses à savoir, mais c'est également un peu compliqué en même temps. Souvent c'est deux mots complexe et compliqué que les gens mélangent, hein, mais complexe ne veut pas nécessairement dire compliqué. Donc premièrement nous avons cette province Italia en l'occurrence, et dans la province il y a plusieurs villes. Donc il y a Rome et Néapolis, ce sont celles que nous possédons actuellement. Alors Néapolis, à mon sens, ça doit être Naples, j'imagine. Rome, donc c'est Rome, il n'y a pas Capoue, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas Capoue. On a le volcan ici, je ne sais pas si il entre en éruption par des events dans le jeu. Il y a également Ariminum et Velatri, qui sont les deux villes des Étrusques. Alors, donc il nous faut techniquement prendre toute la province pour bénéficier de tous les bonus que cela implique pour par exemple la richesse des revenus. On gagne plus si on a toutes les villes de la région. Et je pense qu'il y a également un bonus ajouté quand on possède toute la province. En tout cas, on n'aura pas les malus que l'on verra par la suite. Je vous expliquerai ça. On a une première armée, la Legio 2 Apollinaris. Qui dit Legio 2 doit dire forcément Legio 1. Et nous avons une Legio 1, effectivement, qui se trouve là, Legio 1 Italica, dans notre deuxième province, Brundisium et Cosentia, je ne sais pas. Et il nous manque également Syracuse et Lilibaeum, qui se trouvent donc les deux en Sicile. Alors, l'idée, comme il nous faut deux provinces complètes, c'est de prendre donc la Sicile et le nord de l'Italie, ceux qui sont à la Ligue Étrusque. Alors, nous allons, pour le moment, probablement remonter cette armée vers Rome. Tout de suite. Nous n'en aurons pas besoin, je pense, au sud. Nous allons également voir notre flotte, qui est une flotte de petits navires sans grande importance. D'accord. On a un port qui est ici. Peut-être on peut éventuellement... Je ne vois pas de bateau de la Ligue Étrusque.
mais ils ont néanmoins un territoire en Corse. Alors on va mettre nos bateaux dans le port pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire avec eux. Tour de l'interface rapidement, les factions, on verra ça plus tard, c'est un peu compliqué, j'ai pas tout saisi, mais on a toutes les factions actuelles et la nôtre n'est pas, enfin, est à égalité avec les autres. Nous pouvons voir les objectifs primaires et secondaires. On va agresser Taligeka, subjuguer cette faction en la réduisant en état client ou à capturant. Alors on peut faire un état client ou capturer la Ligue étrusque. Être en guerre avec la faction suivante, Carthage. Ça nous octroie à chaque fois des petits bonus, on peut le voir. On lira ça de manière plus approfondie plus tard. Ça, c'est nos grandes conditions de victoire. Le panneau économique, ça c'est habituel. Des Total War, les partenaires commerciaux, tout cela. Les technologies. On va commencer avec la technologie d'armement, probablement. De toute manière, il faut faire ces deux technologies-là pour avoir l'arbre de technologie qui se développe. On le verra par la suite. Et la diplomatie. Donc, diplomatie, éventuellement, on peut faire ami-ami avec Carthage, je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas. Soyez le Ouh, bienvenu. il ne m'aime Asseyez-vous. vraiment pas. Nous devons parler. Ouh, il me déteste même profondément. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas le plus important que l'on a à faire. On a aussi la carte d'analyse, hein, d'analyse politique et économique et tout ceci. Donc on est ennemi avec eux et c'est tout. Syracuse, mince, attendez. Hop, hop, hop. Voilà, propriété de la faction. Donc ça, ce sont les différentes factions. Statut diplomatique. Bon, normalement, quand on clique sur les régions, on est censé. Bon, bref. Ouais, je sais pas. Ordre public. Ouh là là, ordre public qui est pas très bon. Les richesses, c'est pas si mal quand même. Et la croissance est plutôt sympathique. Ok. Ok. Alors, on va devoir faire évoluer nos villes. On va peut-être déjà faire évoluer Consentia. Ouais, Consentia pour qu'elles soient au même niveau que l'autre. On a 4000 et on fait 2300 au prochain tour. Et on va faire probablement un bâtiment religieux, puisque ça va apporter plus d'ordre public et donc nous permettre de calmer un peu la région. Ah, mais on peut également étendre cette cité-là. Ok, et là on va faire un bâtiment probablement militaire, mais on a déjà moins 5. On a déjà moins 5. On va attendre 2 tours de voir avec ce bâtiment-là, mais ça suffira pas quand même. Ça ne suffira pas. Oh, mais ça ne fait pas de malus, un bâtiment militaire. Bon, alors du coup, on va faire le bâtiment militaire, probablement. Voilà. Et on va recruter quelques unités. Quelques unités pour nous permettre de faire la guerre. Je vais sûrement renommer les légions, mais pas tout de suite. On verra peut-être au prochain épisode. N'hésitez pas à proposer des noms qui aient l'air quand même un minimum latin. Parce que bon, sinon ça sera pas, on va pas appeler ça Légio 2 du Rouen ou quelque chose comme ça, enfin bon, ça serait ridicule. Recruter des unités. Nous avons des Astati pour le moment et eux ils ont des lanciers italiques. Italiques, plutôt que italiens, je ne sais pas pourquoi. 20, 40, 16, 42. Ouais, on a moins de charge, mais on est quand même meilleur en attaque, largement meilleur en attaque. Donc on va recruter des Astatis. Ça coûte 476. Et on va en faire 3 pour le moment. On a vraiment beaucoup de tirailleurs. Hein. C'est vraiment pas très utile qu'on ait autant de tirailleurs. À mon sens, c'est un peu du gaspillage. Ouais, d'autant plus que les vitesses sont, à mon sens, ouais, quand même un peu meilleures. Hein. Donc on va voir, pour l'instant on va les garder, on va improviser par la suite et on va développer nos cités prochainement puisque là on n'a pas assez d'argent. Donc on va passer le tour et on va se préparer à attaquer incessamment sous peu. Au moins avoir une bonne bataille avant, pour cet épisode, à savoir que, oh bah ils partent en bateau. Peut-être on peut les intercepter sur les bateaux. En mettant ma flotte militaire plus mes infanteries en même temps, ce serait pas mal. On va commencer peut-être du coup par une bataille navale, ce qui n'est pas ce que j'avais prévu. Mais pourquoi pas? Notre agent a été découvert, je sais. J'imagine qu'il a été découvert.
En quoi puis-je vous aider ? Tu peux m'aider par exemple en allant voir là. On marche doucement. Combien il y a de garnisons ? Dans Velatri, il y a 500 lanciers italiques, 240 populaces et 240 frondeurs. Donc ça représente pas loin de 1000 hommes. C'est conséquent. Les garnisons sont vraiment très très conséquentes. Sur ce jeu, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec de la légèreté. On va traverser la chaîne de montagne pour aller voir du côté d'Ariminium où ils ont 1000 hommes également, mais une garnison de bateaux puisque c'est un port. À votre service. Alors comment on va se décider? Est-ce qu'on les intercepte sur les bateaux ou est-ce qu'on les intercepte où est-ce que peut aller ma flotte? Ma flotte ne va pas suffire. D'autant plus qu'ils seront 4 bateaux et moi j'en ai que 3. Donc ce serait dangereux. Ce serait très dangereux même. On va probablement attaquer la ville. Est-ce que j'ai de quoi faire pour attaquer? J'ai combien d'hommes? Allons analyser ceci. J'ai 1440 hommes. Donc c'est plus que. Même si je n'ai que 5 unités d'infanterie Astati. Donc on aurait tout intérêt peut-être à en recruter encore un petit coup. Voilà, 3 de plus, ça devrait suffire. Et on va développer notre ville, on va agrandir Rome avec l'animation d'agrandissement des villes qui est plutôt sympa, même parfois un peu colossal. Là on a quasiment multiplié par 2 la taille de Rome. Il arrive un moment, autour de 70 où j'en étais avec mes camarades Isseni, je trouvais des villes gigantissimes, c'était absolument incroyable. Alors on peut faire quoi? Un forum public, plus un ordre public, 50 de richesse, terre consacrée, on a déjà ce qu'il faut de ce côté-là, on a déjà un bâtiment militaire de cette sorte, ingénierie, conditionnement physique, un aqueduc. Un aqueduc, ça peut être bien, ça. Et il faut quoi? La technologie béton. Alors, technologie béton, ça nous demande combien de temps pour la développer? Outils en fer, érudition, machin... Suicide, béton, oh mais béton c'est pas encore hein. Béton c'est pas encore, donc on aura le temps d'évoluer d'ici là. Du coup on va probablement faire la périphérie industrielle, 100 de richesse provenant de l'industrie. C'est pas négligeable et ça n'apporte pas de malus. Donc je pense c'est sur quoi on va se diriger. Et on va maintenant lancer le passage du tour. Pendant que ma légion est en train d'arriver du sud, cette deuxième légion va probablement peut-être attaquer Ariminum ou aller en Corse. Je ne sais pas. Il faut aller doucement puisque lorsque vous attaquez une ville dans une province, ceci va mettre un malus d'ordre public de moins 25, je crois, dans toutes les villes de la province. Donc cela empêche en quelque sorte de faire un blitzkrieg sur une province, puisque, admettons, l'ordre de la province est 0. Vous attaquez les 4 villes de la province en même temps, puisque vous êtes bien organisé, cela vous fera un malus de moins 100, normalement, sur un tour. Donc au tour suivant, vous aurez moins 100, ce qui risque de déclencher quelques révoltes et ceci, cela. Donc voilà, il faut être prudent, on va voir comment ça va se passer, on va pas rusher, on a notre temps, et on va y aller. Recherche d'approvisionnement. Les soldats ont le dos assez robuste pour transporter davantage que leur armure. Voilà, nous avons fait notre technologie. Impeccable. Rapport militaire, on s'en fiche. Rapport de trait caractère respectueux et loyal. Rapport de construction. Impeccable. L'entourage grandit, plus 5% de chance d'y échapper. Guerre déclarée entre Athènes et Épire. Mais on commence avec une guerre vraiment solide. Alors on a moins 2 maintenant d'ordre public. J'hésite, je vais peut-être encore faire le bâtiment. Alors on va faire quoi? Quelque chose qui soit pour l'ordre public, majoritairement. Culture latine, ouais. Garnison de plébéiens. Sympa ça. Bâtiment maritime. On a des bâtiments maritimes par ici? Dans la région ou dans la ville seulement? Probablement dans la région entière. Oh, ça augmente la recherche, Minerve. Peut-être pas mal. Ouh, ça donne de la richesse. Allez, on va faire ça. On va faire l'hôtel de Minerve.
et on va faire un camp des auxiliaires. Il va falloir rapidement développer notre aspect militaire pour pouvoir attaquer ici, puisque contre les Syracuse et Carthage, ça va être costaud. Peut-être c'est pas urgent que je dépense l'argent maintenant pour le sud de l'Italie. Ça fait pas partie des priorités. Je vais peut-être augmenter ici. Voilà, 1500. On a maintenant ce qu'il faut. On va ramener notre agent, puisque je crois que la flotte ennemie est revenue. Une ombre parmi les ombres. Ils sont pas là. Ils sont pas là, écoutez. Ils sont sur Alalia. D'accord. Eh bien, on va y aller. On va y aller, il n'y a pas de mur, donc il n'y a rien qui nous empêche d'y aller cash. Donc on va y aller cash. Ils ont 960 hommes et nous en avons 1920, dirigés par le brave, l'incongru, le redoutable Lucius Iulius Libo, équipé de ses braves Astati en nombre, de ses Velites et de ses levées. Les levées, je vais les virer au prochain tour probablement. Des unités tout à fait inutiles qui me coûtent un peu d'entretien pour un usage nul. Il y a quand même des frondeurs. Les frondeurs sont très 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 forts sur ce jeu. Ils sont vraiment très forts. Si je reste, on peut le voir, il y a un petit crâne rouge, tête de mort rouge, qui plane au-dessus de la tête. Ça veut dire que lorsque l'on mène un siège, l'assiégé va avoir des pertes tous les tours, comme tous les Total War. Mais nous également, en tant qu'assiégeants, nous aurons des pertes dues à l'attrition chaque tour, ce qui est absolument logique. Et qui était dans Medieval Total War le premier, et qui avait disparu par la suite sans aucune explication. Lorsque vous êtes assiégé, vous êtes dans une ville, à l'abri des murs, vous avez un toit au-dessus de vous. En général, à cette époque, il y avait également des vivres pour tenir plusieurs semaines, mois, années, suivant la taille de la ville, bien sûr. Donc c'était une position assez confortable, au moins les premiers temps. Après, il commençait à y avoir de l'insalubrité, ça devenait un problème. Alors que tandis que quand vous assiégez, vous êtes dehors, vous êtes dans la boue, vous êtes par terre, vous n'avez pas de commodité à proprement parler. Votre ligne de ravitaillement peut avoir des problèmes sur le trajet, donc c'est très dangereux. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que les sièges pouvaient durer assez longtemps, c'est qu'il y avait une guerre d'usure pas unilatérale, c'est-à-dire pas des assiégeants contre les assiégés, mais également des assiégés contre les assiégeants qui essayaient de forcer les assiégeants à subir des problèmes tels que la famine, les maladies diverses, et abandonner le siège. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, qui est de retour dans le jeu, et ça, j'applaudis à deux mains, parce que c'est vraiment indispensable, et ça oblige à jouer intelligemment les sièges, à ne pas trop tarder, voilà, voir ça à l'avance. Ceci dit, pour la plupart des villes, vous aurez maximum 3 tours à tenir devant la ville avant que celle-ci ne se rende ou fasse une sortie. Il y a plus de chances qu'elle fasse une sortie en temps général. Donc voilà. Et vous avez également moins de pertes que les assiégés, je crois. Je n'ai pas fait des calculs mathématiques très poussés à ce sujet-là, mais il me semble que c'est le cas. Donc c'est bien, ça fait partie pour moi des points positifs de l'évolution de Rome 2. Par rapport au précédent Total War, ce qui est en quelque sorte même pas vraiment une évolution, mais un retour aux origines, et j'apprécie, puisque Medieval Total War numéro 1 était mon Total War préféré, auquel j'ai joué énormément de temps. On va commencer le déploiement, parce que la météo est plutôt clémente. Alors je passe de l'habitude des villages barbares aux villes de type latine, romaine. Alors comme on peut le voir, on mène un siège, du coup il y a de la destruction sur les bâtiments, il y a quelques temples. Vraiment, ça c'est sympa. Alors, je m'excuse, hein, j'ai les graphismes en très haut. Donc voilà, ça ne met pas les détails à fond. Mais ça permet d'être relativement fluide. Dans l'ensemble, je trouve que les villes romaines sont plutôt bien faites. Si vous avez jamais joué, enfin joué déjà par exemple à un jeu tel que... comment ça s'appelle ce jeu? Un city builder à l'époque romaine, fait par ceux qui ont fait Tropico. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, qui n'était pas forcément terrible, mais qui avait l'avantage d'être à cette période-là. On va attaquer par le nord, vous voyez, on va attaquer par ici. Je ne sais pas si c'est le nord, j'ai décidé arbitrairement que ce serait le nord. C'est pas forcément le nord. Et je ne sais plus comment il s'appelle, c'est la suite de l'Imperium Romanum. Ça s'appelle... Je me souviens pas, bref. Ça ressemblait à ça, les villes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. On va mettre ça ici, 4 autres unités d'infanterie, probablement avec le camp militaire. C'est assiégeant, ça c'est sympa. De ce côté-là, je sais pas.
Écoutez, peut-être même de ce côté... Non, de ce côté-ci, c'est bien quand même. Hop, voilà. Voilà. J'ai mis tous mes tirailleurs ensemble, comme ça on va les écraser sous les flèches. On va mettre tout ça en groupe. Je sais, pour mettre des groupes, c'est CTRL-G, cependant. Je n'aime pas ce genre de... Voilà. Tut. Bon, écoutez, on va faire ça à la main. Parce que j'ai dû cliquer sur une petite colline comme ça, c'est vraiment cool. J'ai dû cliquer sur une touche. Sans faire exprès. Ah, attendez. Voilà. Hop. Si vous vous demandez comment je fais pour sélectionner autant d'unités à la fois avec tant de simplicité, je vous invite déjà à mettre votre général derrière votre armée plutôt que le perdre. Bonjour, je suis Caius Bonus. Hop, je me ralentis un petit peu. Il est où notre général? Ah, c'est ici. Avec l'ancien uniforme. De type un peu à la grecque, quoi. Inspiré. Sympa cette charge de cavalerie au ralenti. En avant, soldat. La touche. Hop. Touche à l'intérieur. Pas très intéressant, étant donné que nous chargeons sur rien. Oui, je vous invite donc à regarder cette excellente vidéo produite par Levet 40 qui traite notamment de des touches pour bien diriger son armée. Ça s'appelle le guide pour bien commander. C'est une vidéo que j'ai publiée il y a 2-3 mois, par-ci par-là. Et je vous invite très chaudement à aller la regarder, comme ça vous éviterez de me poser la question 50 fois par vidéo. Oui, Lévia, comment diantre fais-tu pour diriger ton armée? C'est vraiment un coup de génie. Non, ce n'est pas un coup de génie, c'est tout simplement des touches sur mon clavier. Soyons plus modestes. Vos ordres. Hop. Est-ce que vous avez... Alors, ce qui est très très pénible, est-ce qu'il y a le don de m'ennuyer, c'est qu'on ne voit pas la portée de tir lorsque... voilà. Là, on clique sur l'unité, hop, on voit la portée de tir. Si on passe dessus, et on lâche, et ça disparaît. On peut également faire espace pour les voir à nouveau apparaître. Pourquoi ne sont-elles pas visibles constamment, comme sur Napoléon Total War par exemple? C'est quelque chose qui m'échappe. Attention, les frondeurs sont déjà à portée. Les frondeurs sont vraiment très forts sur ce jeu. Très forts. C'est vraiment une unité qui sème des ravages. Les rangs ennemis. Nous allons donc nous en débarrasser. Au moins que nous allions nous débarrasser de celle-ci. Alors là, regardez-moi tout ce qu'ils vont prendre. Je pense qu'ils vont mal le digérer. Excellent. Oh là là là. Ah, ils s'enfuient. Alors, on va se débarrasser des frondeurs, tout de même, parce que c'est une grosse menace, et on n'a pas eu particulièrement plus de pertes que ça. Hop. Oh là 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 là, jeune fou. Jeune fou. Faites-les fuir. Faites-les fuir, oui. Un dernier lâché. Excusez-moi. Bon. Il se replie les manants. Allez-y, faites-vous plaisir. Hop. Vous voulez vraiment gâter... Non, vous voulez pas faire ça. Merci. Bon, j'ai cru un instant, mais... Voilà, on y retourne. Pour Rome. De ce côté-ci, ils prennent quelques coups apparemment. Ah, mais ils tirent jusqu'ici, les frondeurs. Non, d'une pipe en bois. Ok, ici on a quoi qui nous arrête? Nous avons des lanciers italiques. Vraiment très sympa. Ouah, trop cool. Forme dans le dos. Ils essaient d'attaquer, mais en fait, je les mets sous un feu tellement important que pour l'instant, c'est le couloir de la muerte. Je sais pas comment on dit la mort en latin. En grec, je crois que c'est Thanos ou quelque chose comme ça. En latin, ça doit être Morit, quelque chose du genre, j'imagine. Mais non, j'y connais rien en latin, hein. Je ne vous le cache pas, je ne connais rien du tout en latin. Nous avons pour l'instant une trentaine de pertes du côté de mon infanterie, que nous allons ingénieusement dissimuler derrière ces bâtiments. On va prendre notre temps. Hein. Bon, alors, comme l'IA a toujours tendance un petit peu éventuellement à foncer dans le tas, on va y aller tranquillement dans les batailles, on va faire des choses bien. On va pas se précipiter. Félites. Voilà. Ars, viens nous en aide.
voie de course. Romain, prêt à faire leur devoir. Romain, prêt à faire leur devoir. Extemplum. On n'a pas la vue dans le javelot. C'est quoi la vue pour suivre le... Il me semble que c'était celle-ci de toute manière. Et apparemment ça marche pas avec les javelots. Dommage. Les vitesses avec leur peau d'ours. Je pense qu'il y avait des... Je sais pas honnêtement si à cette époque-là les vitesses avaient vraiment tous des peaux d'ours. Et ça explique pourquoi les ours ont disparu quasiment de la terre. Parce que... Ils ont fait un génocide. Oh là 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 là, jeune fou. Jeune fou. À quoi te prépares-tu? Chargé. Coup de javelot. Vous en êtes débarrassé directement. Chargé. Chargé. Ok. Voilà. Apprécié. Attendez, alors la caméra, le problème c'est que quand on sort de la caméra de ça, là, ça... Non, ça va mettre la caméra à l'envers pour une raison inconnue. C'était déjà ça, le cas sur Shogun 2. Et on va tomber sur leurs arrières par la plus grande des surprises. Oh là, il y a des cadavres romains un peu partout. Bon, ils m'ont l'air chaud. Alors, vous savez ce qui se passe quand ils ont l'air chaud. On va pas les retenir plus que ça. On y va. On y va. Et on va stopper instantanément le tir de nous, braves tirailleurs qui ont fait leur job, hein, il faut le dire. Victoire! Romain Victrix! Romain Victrix! Voilà, ce sera notre nouveau cri de guerre après Deus Lovult. Nous crierons Romain Victrix. D'où mon général se fait attaquer, c'est les fuyards qui passent devant lui. Lâche. Terminé la bataille. 77 pertes, 943 ennemis tués. Je vais... je viens d'y penser à l'instant. Je vais augmenter la difficulté de l'intelligence artificielle de bataille en légendaire. J'ai oublié de le faire. C'est pas beaucoup plus difficile, mais éventuellement, elle a un petit peu quelques bonus qui lui permettront de... J'ai fait ma campagne avec l'IA de bataille en légendaire sur les Isseni. J'ai pas eu de problème particulier, mais j'ai affronté des barbares. Je pense qu'à un moment, si je commence à affronter des grandes armées bien civilisées. Alors, je vais simplement occuper la région. Ce sont des latins. C'est tout. Rang supérieur. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Commandant. Bien sûr que c'est tout. Alors, nous allons lui mettre plus 1 d'autorité. Ce que je vous conseille, c'est plutôt sympa. Ce personnage n'a pas d'épouse. Il a 43 ans, 2 en ambition et 15 en gravitas. Gravitas, c'est en quelque sorte sa réputation. Donc on a aussi l'histoire de notre légion. Avec sa tradition qui augmente grâce à cette barre. C'est une barre d'XP en quelque sorte. Donc elle a fait cette année de service, une victoire. Alors cette année de service, c'est bizarre puisque le jeu a commencé il y a 2 ans. Donc peut-être que le jeu devait commencer en -277. Ça, je me demande en fait, je pense, que le jeu à la base devait commencer en -277. Et pour une raison inconnue, il commence en -272. Je me demande s'il ne devait pas mettre Pyrrhus à la base. La plupart des mods, des mods assez réalistes, tout ça, sur le premier Rome, commencent à l'époque où Pyrrhus est en train d'envahir le sud de l'Italie. C'est d'ailleurs un gros challenge en début de partie, je trouve, de battre Pyrrhus. Très très gros challenge. Ça dépend des mods, mais c'est souvent un gros challenge parce qu'il est une armée très entraînée, d'élite, avec des éléphants, donc il faut un peu l'avoir à l'usure. Mais du coup, je me demande s'ils n'ont pas voulu faire ça. Est-ce que la campagne de Pyrrhus était encore en cours en -277 ou est-ce qu'elle était déjà terminée à ce moment-là? Je ne suis pas très bien sûr, on se renseignera là-dessus. Mais voilà, je me pose la question. S'ils n'avaient pas cette idée-là en tête, qu'ils ont un petit peu changé la vie. Du coup, on va gagner un petit peu de gravitas. On a gagné 2 points de gravitas, c'est cool. Avec Libo. Donc Libo, ça c'est nous. C'est nous, Libo. On a également notre général. Voilà. L'homme d'État. Alors c'est ça le problème en fait, la politique, ce que j'ai pas trop compris, c'est que on doit avoir nos généraux qui sont dans différentes maisons, dans différentes factions, à l'intérieur de notre propre faction, parfois concurrentes, et alors en quelque sorte on nous demande plus ou moins de lutter contre nos propres généraux par moment pour que notre famille soit la plus grande famille. Du coup ça nous obligerait parfois à assassiner nos propres généraux, ce qui du coup fait que je comprends pas très bien l'intérêt, enfin le fonctionnement vraiment de la politique sur ce jeu. Donc on va être attentif à ça, parce que j'ai pas très bien compris, je vais plus ou moins découvrir en même temps que vous, parce que c'est plus creusé avec les Romains qu'avec les Barbares.
donc ça sera plus intéressant pour moi. Je vais mettre option du jeu, difficulté des batailles, hop, maximum, c'est parti, voilà. Et puis on va s'arrêter là pour ce premier épisode, j'espère que vous avez apprécié, et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao.